Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de réparer un véhicule à Synapse Station ou au circuit Schonker. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit au circuit Schonker qui est juste ici, ou soit à Synapse Station, un des deux lieux. Donc, de toute façon, dans les deux lieux, vous trouverez des véhicules facilement. Donc regardez, là j'ai un véhicule, bah, je pense que circuit Schonker vous allez en trouver plus parce que bah, y a les Wish Splash, un truc dans le genre, qui sont sur le circuit. Donc je pense que c'est peut-être mieux d'aller au circuit Schonker. Mais de toute façon, avant de réparer un véhicule, ce qu'il vous faudra trouver, c'est un chalumeau de réparation. Donc ces chalumeaux de réparation, vous pouvez les trouver posés au sol, comme ça, sur Fortnite, ou vous pouvez les trouver dans des boîtes à outils rouges. Donc les boîtes à outils rouges, bien souvent, elles se trouvent à la place des boîtes de munitions. Donc vous pouvez en trouver dans des hangars, dans des garages, un peu partout, même dans des maisons, vous pouvez en trouver. Hein. C'est des boîtes à outils rouges. Je vais essayer de vous en trouver une vite fait. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble au cas où vous n'étiez pas au courant qu'il y en avait. Donc là, je vais en chercher une et je vais vous montrer ça. Ok, c'est bon, je viens d'en trouver une. Donc regardez juste ici, ça c'est une boîte à outils rouges. Alors principalement, les boîtes à outils rouges peuvent vous donner des chalumeaux, des chasse-pierres et des pneus tout-terrain. Donc bien entendu, ça ne vous donne pas à tous les coups un chalumeau de réparation. Mais bon, voilà, c'est principalement, ça vous donne trois choses. Vous avez une chance sur trois que ça vous donne un chalumeau de réparation. Ou sinon, bah, vous voyagez dans la map et vous en cherchez. Après, je sais que si vous tuez des gardes de l'IO qui sont en possession du char, donc si vous voyez des gardes de l'IO dans un char, si vous les tuez, eh ben eux vont vous donner un chalumeau de réparation obligatoirement. Donc je sais pas s'il y a toujours le char à Tilted Tower, mais vous pouvez toujours aller voir, mais je pense qu'il n'y est plus. Mais je sais qu'il y a un char qui fait tout le tour de la map. Si vous croisez ce char, vous tuez des gardes de l'IO qui contrôlent le char, et là, ben, vous aurez un chalumeau, même deux chalumeaux obligatoires. Donc voilà, quand vous avez votre chalumeau, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement réparer un véhicule. Donc le véhicule, regardez, là, il a 1200 de vie. Donc ce que vous faites, c'est que vous détruisez le véhicule avec votre pioche ou avec votre arme. Ensuite, vous prenez votre chalumeau de réparation et vous réparez le véhicule à hauteur de 200. Il va falloir réparer 200 de 200 un véhicule pour terminer le défi. Dès que vous aurez infligé, enfin réparé un véhicule de 200 points de dégâts, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà, vous prenez le chalumeau de réparation et vous l'utilisez contre le véhicule pour le réparer. Rien de très compliqué. Et très important, le véhicule que vous devez réparer doit se trouver au circuit Schonker, donc juste ici, ou alors à Synapse Station. Si vous réparez un véhicule autre part, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.